Je suis à l'orée d'une découverte phénoménale. Le monde dans lequel on croit qu'on vit est vraiment le même qu'on croit qu'il est. On a tendance à penser que tout n'est qu'illusion. Alors qu'en fait, c'est faux. Tout est une illusion d'illusion. Attends, tu veux dire que quand je lève la main comme ça, je la lève vraiment ? Exactement. Tu n'as pas peur de perdre complètement les pédales avec ce genre de raisonnement ? Je n'ai pas besoin de pédales pour me diriger. Parce que tu te diriges avec les pédales, et ce serait pas plutôt avec le guidon ? Écoute Henri, ça fait 3 semaines que je suis dans ma chambre en train de voyager jours. Dans... Henri, je parle en semaine sidérale. Eh ben, je parle en semaine géocentrique. Ok, alors ne passe pas en géocentrique comme ça sans dire à personne. Henri... Ben oui, Henri, ça ne se fait pas de passer en semaine géocentrique quand on est en semaine sidérale. Enfin, quand même, tout le monde le sait. Mais comment tu as fait pour te nourrir tout ce temps sans te nourrir et de rester en pyjama autant de jours? C'est fou. Le tissu de tes aisselles a dû cailler. Ben justement, pas trop. J'ai un super bon système lymphatique. Wow. En fait, je me suis nourri des phytoplanctons de l'air et de la poussière. Wow. Et je me suis régalé. Restez avec Antoine, apparemment il est au-dessus de tout. Moi je vais couper du bois. Henri! Je suis en dessous de tout. Antoine! Henri! Comment est-ce que tu peux dire que les choses sont ce qu'elles sont? Alors quoi, une pomme, c'est une pomme, c'est ça? Et puis ça c'est mon pied aussi? Exactement. Antoine! L'important, c'est qu'on soit tous réunis. Ce serait pas le moment pour se recharger? Non? C'est yeah, vrai. Chaud. Dis chaud, Henri. Yeah. Ouais. Yeah. Yeah. C'est bon? Yeah, chaud. Sure. Allez. Ha. Contact. Contact. Et santé. C'est qui? Bah, au vrai, vous verrez. Pas bête. Hi, life is difficult. You bored about the nonsense of existence? You alone in that dark night? You are fine, what you looking for? I can't let you pass above the truth. It's my job to help you. Drink it, my leg, it is my blood. Vous avez un accent français de dingue. Non, c'est pas possible, je suis de l'île. Là, vous pensez être américain, mais peut-être que vous avez eu une amnésie totale à cause d'un accident que vous auriez eu. Et à ce moment-là, peut-être on vous aurait reprogrammé en américain, mais en réalité, je sais. Peut-être que vous avez eu des parents français, genre des anciens résistants comme Simone Veil ou Jean-Paul Sartre. Mais ouais, c'est ça, c'est forcément ça. Vous connaissez Jésus? Jésus? Bah, Jésus. Jésus. Bon, je vais pas vous mentir, hein. Je vends les encyclopédies sur la vie de Jésus en 125 ans. C'est du costaud. C'est pas léger non plus, mais il y a des bonnes scènes. Jésus, quel Jésus? Jésus, le Messie. Ah, Jésus de Nazareth. Ouais. Alors, dans le bouquin, ils expliquent bien, mais c'est ouais, pas vraiment Nazareth, c'est juste à côté. Mmh. C'est ce chauve-là qui a essayé de répandre l'amour il y a 2000 ans. Les bras écartés. Il était pas chauve. Mais si, c'était un postiche, tout le monde sait ça. Comment ça, un postiche? Ben oui. La barbe? Ben oui, il y avait... Les cheveux? Mais regardez dans les cimetières, dans les églises, on peut pas comprendre que des cheveux tombent comme ça. Surtout en pierre, vous comprenez? Fallait du gel pour que ça tienne comme ça. Comprenez? Et à l'époque, il n'y avait pas de gel. Bah si,
Les Romains, ils utilisaient du lait de sang de caille pour pas avoir les cheveux bourriffés en enlevant leur casque. Comment tu sais ça, toi? Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, venez, je vais vous présenter. Votre nom? Harold. Harold. Oh, c'est ça, j'aime bien et en même temps, j'aime pas trop. Parce que les mecs ont pas d'œil, ont pas de nez, ont pas de bouche, que c'est des débilos, c'est clair. Les végétaux sont plus intelligents que nous. Regarde, par exemple, la betterave. Ouais, mais attends, deux secondes. Georges, Antoine. Georges. Deux secondes. Voilà, c'est Henry, Friggs, Georges, Harold. Harold, Henry, Antoine. Faut pas que vous vous mélangiez. Alors, Georges, Antoine, Henry, Harold, Friggs. Ah, enchanté. Ben, nous de même. Ce que j'ai ici peut changer votre vie. Un livre, pas si cher. Abordable. Incroyable. Enfin si, justement incroyable. Il faut croire. Et ça marche. Et tout peut changer. Toi. Tu peux changer. Toi aussi. Là tu peux. Et vous avez un sacré accent français? Ah ouais. Vous êtes français? Vous êtes du babouche? Vive la révolution française! Le soufflet au sommage! J'adore! Émile Louis! Le tout est fait dans mon croissant! Vous voulez quoi que monsieur? Avec de la mayonnaise? J'y suis très honoré de votre connaissance. Il me bousille. Et toi, ça t'intéresse pas, la vie de Jésus? Un grand garçon comme toi? Il joue mal, non? Vous trouvez pas qu'il joue mal? C'est quoi comme émotion? On sait pas ce que vous exprimez comme sentiment. Moi, je trouvais qu'il jouait mal. Vas-y, fais un peu. Vas-y. Hein? Je fais ça pour payer mes études. Je suis étudiant en garagisme. J'étais hémophile. Je cicatrisais plus. Ce bouquin m'a donné les plaquettes. Des plaquettes. Et maintenant, je coagule. Je coagule. Mais je vous jure. Mais c'est vrai. Je disais, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne faites rien alors qu'il y a tellement de choses à faire. Ces NEM sont la concrétisation de votre digestion qui vous rend vous-même amorphe, hein, qui fait de vous des cibles. Je pense notamment à des vendeurs d'encyclopédies qui viendraient vous soutirer tout votre argent. Non, jetez ces NEM. Non. Mais ces NEM, c'est Babybel. Babylone. Ces NEM, c'est Babylone qui descend sur Terre. Ces NEM, c'est la mort. Pourquoi les lapins mangent-ils léger? Pour ne pas digérer quand passe un chasseur. Non, les mecs, vous merdez vraiment. Et quand je dis vraiment, c'est vraiment, vraiment. J'en ai marre, je ne suis pas d'accord. Je retourne dans ma chambre. Je sais pas si on le reverra un jour. De toute façon, on n'a pas besoin de lui. Georges. Yeah, George. Friggs. Friggs. Georges. Yeah. Henry. Je sais. Copain. Je savais. Yeah. Nous devons aller chasser les demoiselles. Yeah, sure. A girl, sure. Bon, on y va? Maintenant? Yeah, sure. Mais non, pourquoi on le repousse pas à plus tard? Tout est toujours mieux quand on le fait plus tard. Tout est toujours mieux quand on le fait plus tard. Tout est toujours mieux quand on le fait demain. Tout va bien. T'es sûr de toi? Pas trop, mais si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Tu n'as pas plus que tort. Prêt? Alpha, prêt? Odéon 28-28. Ready. Prêt. On sort, on se sépare, retour ici avec nos prises. Yeah.
go. Non, c'est moi qui dis go. Aïe. D'accord, c'est toi qui dis go. Go. J'y arriverai jamais. Rick. Ça va, Frigs? Elle m'a même pas regardé. Elle avait un regard de dédain, d'une violence. C'est vrai. Je me sens sale. Je porterai pas ça. Faut que je me lave. Calme-toi, Frigs. Calme-toi. Frigs, Frigs, Frigs. Au! Au! Au, au! 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 George? Yeah, George. La mission? Accomplie. Non. Quoi? Elle s'appelle Galak. Elle verra dans 2 heures. Après son boulot. Par les fourberies de ce capin, elle est déjà là! Maman, aide-nous! Maman, aide-nous! 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 Mon Dieu, mon cet appartement, c'est une location? Ah non, c'est à nous, monsieur. Pouvez-vous me dire à quel étage nous sommes? 61. C'est assez étrange, car cet immeuble ne comporte que 60 étages. Ah bon, monsieur? Quelqu'un a rajouté un étage. Mais oui, c'est évident. Aïe. Mais vous êtes qui, monsieur? William Appelsteinberg, sur Redburg. FBI of United States of America. Et vous êtes en état d'arrestation.